Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour établir le top 5 des meilleurs duos à la demande de Loulouki sur Discord. Je t'invite à nous rejoindre si toi aussi tu veux faire ce genre de demande ou bien partager sur le jeu, tout simplement. Le lien est dans la description. Alors juste avant de commencer la vidéo, on va passer juste par un petit truc parce que j'ai croisé énormément de Luffy. Un peu tous hein, en ligue, hein, je te dirais. Donc, on a les quêtes d'événements en ce moment, les missions, donc pour récupérer voilà diverses choses qu'il va falloir faire effectivement, et il va falloir jouer des Luffy. Donc, le petit conseil que je te donne, t'es pas nécessairement obligé de jouer Luffy pour finir ces missions. Tu peux jouer n'importe quel autre personnage que tu as de monter et mettre Luffy dans ta team en tant que duo, n'importe lequel, tu vois. Par exemple, quand j'ai passé mes quêtes, j'ai joué, il me semble, je crois que c'était avec Oden, et après, voilà, changer ce Luffy-là par voilà le Paramount ou celui que j'avais besoin, enfin bref, et ça permet d'éviter bien d'avoir à jouer un perso que tu vas pas avoir monté, etc. Et donc, éventuellement, de gâcher tes games, parce que j'ai vu pas mal de trolls, hein. Là, c'est la saison des trolls, hein, on va pas se mentir. Et donc c'est parti, on va aller passer à la vidéo maintenant, ce top 5. Allez, je te laisse profiter de ça. Je pourrais parler des combos classiques, Shanks, Barbe Noire, ou bien Odin Roger, mais le but va être de te faire découvrir un petit peu quel genre de duo tu pourrais retrouver, qui sont beaucoup moins utilisés, voire pas du tout. Donc je vais pas inclure ces deux duos-là dans le classement. Il va y avoir deux autres duos que je vais pas inclure dans le classement non plus, qui vont être deux duos ultra particuliers, parce que ça va être les seuls duos qui vont avoir des aptitudes vraiment synergiques entre eux. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, Nekomamushi et Inuarashi, par exemple, eh bien, ils vont avoir 90% de ce, enfin, 80, pendant les 90 premières secondes pour Inuarashi, il va avoir un gros avantage, il va augmenter les dégâts et avoir une recharge de la compétence 1. Et aussi, quand il va mourir, il va offrir 100% d'attaque, ce qui fait un petit peu beaucoup à celui eh bien, qui va réapparaître, donc Nekomamushi dans ce cas-là. Et ce qui va être problématique pour beaucoup de personnages parce que ça va faire monter des seuils d'attaque énormissimes. Donc par exemple, Roger va pouvoir atteindre des 200% d'attaque, Shanks aussi. Enfin, ça commence à faire beaucoup et n'importe quel personnage à 100% d'attaque, ça commence à être beaucoup. Donc je pense que là, on n'a pas trop de problèmes parce que... Les gens pensent à sauver leur diamant. Bon, du coup, ils poulent pas trop. Encore moins ce genre de personnage. Donc, ils ont pas trop encore capté à quel point le personnage était incroyablement abusé. Mais quand il va y avoir une vague de Inuarashi, eh bien, il faudra pas se poser trop de questions. Ça sera à cause de ça, de ce trait-là. Et il va falloir le nerf au plus tôt, au plus vite. Hein, parce que sinon, ça va être problématique. Vraiment très bas. Hein. Presque divisé par deux, ça sera déjà largement énormément. Hein. 50%, ça serait déjà absolument insane. Là c'est 100%, donc là on est dans du c'est plus qu'abusif. Et Nekomamushi, donc lui, va avoir un avantage sur la fin de partie, plutôt lors des 90 dernières secondes. Il va réduire 20% des dégâts. Et quand il va se rétablir, il va avoir un petit bonus de vitesse de 30% qui est pas du tout négligeable. Hein. Donc deux très bons persos assez synergiques entre eux, mais qui sont un petit peu en dessous d'une certaine manière, si on pourrait dire, par rapport à plein d'autres. On va avoir un deuxième duo, ça va être le duo classique, donc Law et Corazon. Alors ce duo, pourquoi il va être synergique? Eh bien bon, ça va pas être particulièrement par rapport aux aptitudes de base hein, du Law, mais surtout par rapport à celle de Corazon. Il va avoir une capacité qui va être très négligée, tout comme le personnage en règle générale. Eh bien lorsqu'il va se rétablir, donc quand Law va mourir, eh bien tu vas revenir au combat en restaurant 10% de la jauge d'équipe, de la jauge du boost d'équipe. Donc le boost d'équipe, c'est bien souvent ce qui fait la différence dans la partie. Hein. Donc qui va l'avoir le plus vite, qui va l'avoir le plus tôt, pouvoir prendre l'avantage. Et là, 10%, c'est juste énormissime. Donc ça fait deux personnages super intéressants. On va donc retrouver trois types de combinaisons de personnages très régulièrement. Ça va être les runners et les défenseurs, ce qui va être l'une des meilleures combinaisons. L'attaquant et le défenseur. Aussi une très bonne combinaison, et le runner et l'attaquant. On peut aussi éventuellement retrouver deux runners, mais c'est beaucoup plus compliqué. Faut que ce soit vraiment deux très bons runners, deux runners offensifs. Deux attaquants, c'est vraiment à éviter parce que
tu vas vraiment avoir très peu de mobilité, c'est problématique. Et donc de défenseur, c'est la même chose, un très gros manque de mobilité, donc vraiment pas une bonne chose. On va maintenant passer à ce top 5, c'est parti. Alors à la cinquième position, on va retrouver le duo classique, hein, autant One Piece que Bounty Rush, Sanji et Zoro. Donc ça va être un duo très compatible l'un et l'autre. Hein. Sanji va pouvoir être super utile en starter sur certaines maps, et sur des maps plus offensives, eh bien Zoro va être relativement avantagé. Donc il faut savoir une chose aussi, c'est que quand ils sortent des personnages sur les portails à 750, eh bien c'est pas rare que les persos soient relativement synergiques ensemble. Et là ça va vraiment être le cas de Zoro et Sanji. Même si ils sont déjà malheureusement, enfin surtout pour Sanji qui est un petit peu plus hors méta comme il est bleu. Cependant ça va quand même être un excellent duo à jouer, même encore au jour d'aujourd'hui. À la quatrième position on va retrouver Lucci et Kinemon. Donc ça va être une team qui va être extrêmement mobile, hein. Les deux grâce à leurs attaques basiques vont pouvoir se déplacer extrêmement rapidement, et l'avantage d'avoir un défenseur dans son équipe va être toujours, lorsqu'il ne va pas y avoir de défenseur du tout dans ton équipe, tu vas avoir la possibilité de pouvoir en avoir au moins un, ce qui va être absolument élémentaire pour pouvoir tanker des fights ou tout simplement restaurer les trésors. Et Lucci, voilà, très grosse mobilité qui va permettre de pouvoir défendre énormément de trésors à des endroits où tu pourras pas en temps normal. Donc un excellent duo malgré que ce soit du full rouge pour le coup. À la troisième position, on va retrouver un duo absolument incroyable que j'ai pas eu la chance d'obtenir malheureusement. Ça va être Goddo Usopp et Franky, un duo sorti assez récemment, hein, qui va parfaitement coller à la méta actuelle, hein, qui va être vraiment un des meilleurs duos, c'est clair, qui va pouvoir faire énormément de dégâts et à la fois résister incroyablement bien. Mais ça va être surtout leur résistance, hein, l'un comme l'autre, qui va être vraiment incroyable. À la deuxième position, on va retrouver un duo vraiment hors norme, un des premiers duos du genre, si on pourrait dire, donc avec l'apparition d'un personnage ex, et d'un duo à 750 sur le portail noir. Donc c'est-à-dire le Katakuri V2 et la Big Mom V2. Donc deux versions absolument dingues de ces deux personnages. Hein. Déjà la Big Mom V1 était folle, le Katakuri V1 aussi, il reste toujours d'ailleurs actuellement encore bon. Mais ce duo vraiment Big Mom Katakuri V2 est absolument cataclysmique. Hein. L'idéal va vraiment être absolument dans tous les cas de commencer avec Big Mom, de rusher comme un psychopathe de malade, d'aller chercher un maximum de trésors, même d'aller prendre le risque d'aller chercher des 5-0, quitte à mourir, parce qu'elle a vraiment un gros potentiel de survie grâce à ses électrocutions. Et donc Katakuri va pouvoir revenir et tanker de façon absolument insane et finir la game assez facilement, à vrai dire. Beaucoup de parties à haut niveau vont être jouées avec Katakuri, hein, et il va faire énormément le boulot, même contre des Roger ou des Shanks full boost, full max, vont avoir énormément de mal à lui mettre des dégâts. Pareil pour la Big Mom d'ailleurs. Hein. Et donc pour moi, la meilleure combinaison à l'heure actuelle, hein, vraiment le top 1 pour le coup, ça va être Oden et Kinemon, hein. Ça va être vraiment le dernier gros duo qui est sorti. Donc pour le coup, Kinemon est sorti bien avant Oden, enfin bien avant, un petit peu avant quand même. Mais ce duo va être vraiment fait pour jouer ensemble, c'est une dinguerie. Et il a été fait prédestiné à détruire à la méta il y a 6 mois, tu sais, c'était un cliffhanger du futur. Tous les personnages qui vont venir, même encore dans 6 mois, je suis sûr que cette team-là, ça sera encore efficace, même dans une décennie, 10 décennies, enfin bref, c'est juste incroyable, parce que de toute façon, la méta verte, elle va toujours faire le taf. Et la méta rouge, c'est simple, hein, elle est présente depuis tellement longtemps. En fait, c'est simple, l'ère bleue, elle a vraiment duré, elle dure épisodiquement, lorsqu'il y a des gros personnages bleus qui sortent, et encore, même maintenant, la plupart du temps, ils sont skip. Donc vraiment, ça va être la top team, le top duo, autant en termes de résistance, de capture de trésors, de défense de trésors, de mobilité surtout aussi, hein, parce que la mobilité, ça va être vraiment une des choses les plus importantes de ce jeu.
une chose qu'on néglige énormément malheureusement. Et là, on va être deux personnages qui vont avoir une mobilité extrêmement énorme, hein, de par leur skill ou de par leurs attaques de base. Les deux vont avoir des avantages, leur résistance, leurs dégâts, enfin bref, un duo et une combinaison absolument insane. Et en plus, sublimé par... Parce que faut avouer une chose, c'est que là, on va être sur une des rares choses. Tu peux le faire en bleu éventuellement aussi, mais en full élément, si tu peux pas faire ce genre de configuration, eh bien on va avoir du fonceur, du Grand Line, du Zoan et 5 générations terribles. Donc autrement dit, 6 Zoan et 5 générations terribles, c'est le plus optimal. Tu peux pas faire mieux, c'est impossible, ça n'existe pas pour l'instant. Il va falloir qu'il sorte un nouveau personnage qui serait par exemple un génération terrible de type Zoan. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc autrement dit, tu vas pouvoir abuser des projections. Donc ce trait génération terrible, je te le recommande, hein, c'est pareil, il est ultra sous-estimé, mais c'est un des traits les plus puissants. Tu vas augmenter de 20% la distance de projection. Bon là ça sera que dans les 13 heures et demie, mais c'est pas un problème, parce que l'atout principal de cette team ça sera Oden. Et donc projeter les ennemis le plus loin possible des trésors, ça va être parfait pour les récupérer. Et bien même Kinemon va pouvoir en profiter pour avoir un plus grand temps de capture quand il va projeter les ennemis. Et évidemment l'atout, le meilleur atout, le Zoan contre les éléments les plus forts. Donc ce qui va permettre de survivre en permanence au maximum. Hein. Et puis de toute évidence, Grand Line, on continue dans les 15% de résistance. Parce que la résistance, c'est la vie et c'est ça qui va te faire gagner des games, qui va faire toute la différence. Et donc voilà pourquoi ce duo va être vraiment parfait. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire, de t'abonner, de liker. Et attention, j'ai repris récemment les réseaux sociaux, donc autrement dit Twitter et Instagram. Donc les liens sont dans la description. Et je vais faire quelques petites annonces incessamment sous peu vis-à-vis de comptes giveaway. Donc n'oublie surtout pas d'activer aussi la cloche de notification si tu veux absolument rien louper des dernières actualités. Allez, je te dis à demain 16h, la piraterie.